Salut Vera, comment puis-je trouver des ressources utiles pour la surveillance de la RAM? Je vais te montrer. Tout d'abord, tu vas sur www.laptop.itg.be/fr. Pour toi, le moyen le plus simple de retrouver des ressources est d'aller sur l'onglet « Toutes les ressources » en haut. Puis, tu peux utiliser le champ « Catégorie » pour filtrer toutes les ressources sur la RAM. Le site va te montrer toutes les ressources liées à la RAM. Ceci, c'est un POS. Ça, c'est un feuille de travail. Ça, c'est une vidéo. Et ça, c'est un document général. Tu peux également utiliser les balises pour filtrer toutes les ressources liées à la bactériologie de surveillance. Pour être plus spécifique encore, dans les catégories surveillance, tu peux choisir des différents éléments, comme tout ce qui est lié au prélèvement des hémocultures, ou bien des autres catégories encore. Et finalement, tu peux utiliser les onglets du menu en haut pour trouver des ressources sur la bactériologie. Ici, par exemple, c'est une procédure sur le prélèvement des hémocultures. Ici, tu as le POS en document avec ses annexes. Mais comme tu vois, il y a également des vidéos qui décrivent les procédures à comprendre plus facilement. Et si tu penses que ces ressources sont utiles pour tes collègues ou tes amis, n'hésite surtout pas de les partager sur les réseaux sociaux. Finalement, n'oublie pas de t'inscrire sur notre newsletter. Pour que nous puissions te tenir au courant sur les nouvelles ressources et d'autres nouvelles autour des thèmes de ce site. Mais jette un coup d'œil toi-même, Séverine. Va faire un tour sur notre site.